Let's go! Eh bien, Wolfou s'amuse-t-il dans les nuages? Je suis très curieux de connaître l'histoire d'aujourd'hui. Wolfou? Se cacher dans les nuages. J'aimerais pouvoir jouer dans les nuages. En fait, on ne peut pas toucher les nuages. S'il y a quelque chose de difficile, laissez Alien le faire. Je peux te l'emprunter? Oui. Pouvez-vous deviner à quel jeu Wolfou devra jouer avec ce nuage? Wolfou, as-tu fait tes devoirs? Wolfou, Wolfou! Wolfou, une telle action n'est pas bonne du tout. Non! Oh non! Ta mère ne va pas aimer ça. Je ne lui dirai pas. Mon robot! Oh non, Wolfou est absorbé par son jeu avec les nuages et ne prête pas attention à l'étude. Wolfou, comment c'était à l'école aujourd'hui? Wolfou? Wolfou, viens ici. Wolfou, fais-le pour moi. Lorsque Wolfou est fautif et qu'il reste assis dans les nuages comme ça, est-ce bien ou mal? Si c'est Wolfou, que devons-nous faire? Le voilà! Où étais-tu? Je me suis cachée parce que je t'ai mis en colère. Quand tu fais une erreur, tu devrais t'excuser au lieu de te cacher. Oui, je suis désolée. Je me rattraperai aussi pour Buffo. Oh, pouvez-vous deviner qui est cette personne? Wolfou est un voleur. Voici le voleur recherché. Qui veut aller au supermarché? Moi! 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 Pourquoi Wolfou panique-t-il? Pourquoi est-ce qu'elle a l'air si bizarre? Peut-être que c'est une mauvaise personne? Restez ici. Oui. Stop! Attendez, c'est moi. J'étais sous couverture pour attraper un voleur. Vos actions étaient trop dangereuses, les enfants.
C'est exact. Si vous voyez une personne suspecte, ne l'affrontez pas. Mais appelez immédiatement le chef Bu. Oui. Oh non, pourquoi cette personne prend-elle toutes les courses du supermarché? Il a l'air bizarre. Vous vous souvenez de ce que le chef Bu a dit? Que doivent-ils faire maintenant? Oh non! On va le dire au chef Bu? Stop! Ce voleur est très autoritaire. Le policier Bu l'attrapera-t-il? Oh non! Génial! Bon travail, petit héros! Où est mon chapeau? Regardez, Wolfou et Pando s'amusent tellement à jouer à Mario. Oh, cette princesse est trop belle. J'aimerais trop être comme elle. Vous avez oublié ma caméra spéciale, n'est-ce pas? Wow, l'appareil photo du Dr. Cat est incroyable. Je veux être la princesse. Oh non, le chapeau de Lucy a déjà appuyé sur le bouton de changement de carte. Chapeau et sauver la princesse pour gagner ce jeu. Ah, voyons voir. Les trois enfants peuvent-ils réussir cette carte maintenant? Chapeau quand les fleurs s'ouvrent. Je vais le faire. Oh non, le dragon de feu porte le chapeau de Lucie. Chercher la couronne. Mmh.
joué, Lucie. Le concours de babysitting. Aujourd'hui, elle peut aller jouer chez Wolfou. Les bébés sont si mignons, n'est-ce pas? Surveillez les bébés pour moi, pendant que je fais le repas. Oh, quel est ce bruit? Mes frères et moi venons jouer. Je surveille les bébés aussi. Que s'est-il passé? Je suis très doué pour le babysitting. Ils n'ont jamais pleuré. Il a juste un peu peur. Je suis sûre que je suis meilleure que toi. On parie? Wow, Pando sera l'arbitre de cette compétition. Pando a l'air si cool. L'arbitre Pando est également prêt. 3, 2, 1... Pouvez-vous deviner si Wolfou gagnera au premier tour? Oh, Reddy a cette énergie super rapide. Comment Wolfou peut-il gagner? Wolfou égalisera-t-il au deuxième tour? Trouvons leur jouet favori. Quel jouet Wolfou choisira-t-il pour 1 dollar? Les extraterrestres ont de la chance. Si vous gagnez cette manche, vous obtiendrez 3 points. On dirait qu'Alien est trop arrogant. Le tour final est ici. Oh non, Alien va devoir faire quelque chose pour garder le bébé. J'avais dit que j'étais bon à prendre soin des bébés. Très bien, vous avez gagné. Oh. Seul à l'aéroport. C'est la première fois que tu prends l'avion, n'est-ce pas? C'est pourquoi Lucie veut vraiment découvrir tout ce qu'il y a à l'aéroport. Ne cours pas partout comme ça. Si tu te perds, on te laisse ici. Il ne me laissera jamais toute seule. Waouh, c'est une machine à emballer les bagages. Et c'est aussi la première fois que Lucie en voyait. Oh.
Tu veux essayer? Je veux dire la valise. Hein? Lucie, ne va pas trop loin. Hein? Ah. Lucie, tu devrais suivre ta mère. Je ne trouve plus Lucie. La voilà. Hein? Je pense qu'on devrait lui apprendre une leçon. Hein? Quel est le plan de Wolfou? Maman? Papa? Wolfou? Aujourd'hui, Lucie pense qu'elle a été abandonnée par sa famille à l'aéroport. Je me demande ce que fait Lucie. Elle s'est promenée, alors elle a manqué le vol. Peut-être qu'elle est encore en train de regarder les jouets. En fait, Wolfou voulait faire un peu peur à Lucie pour qu'elle ne le fasse pas la prochaine fois. Si tu te balades partout au milieu de tout ce monde, tu vas te perdre. J'ai compris. Je reste avec vous maintenant. C'est dangereux. Quoi faire, Lucie? Wolfou, regarde. Lucie coiffera-t-elle la poupée Elsa? Ne t'inquiète pas, je vais te faire toute jolie. À l'aide, s'il te plaît. Oui. J'arrive. Bonjour. On dirait que le coiffeur n'est pas aussi simple que Lucie le pense. Je suis sûre que ça va aider. Oh, Lucie, il ne faut pas faire ça. Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Allez! Tu vois ça? N'utilise pas le sèche-linge sans demander l'avis de tes parents. Vous devez demander de l'aide à un adulte quand vous utilisez le sèche-cheveux. Maman, est-ce que tu peux aider Lucie à réparer les cheveux d'Elsa? Oui! Hooray!
Perdu au festival de la mascarade. Oh! Wow! Oh! Bonjour. Je voudrais présenter un nouveau costume. Toi, viens ici, viens ici. Bonjour. Toi, peux-tu deviner qui est le vrai grand-père Wolf? Surpris? Merci d'avoir donné ce costume à mon grand-père. Au revoir. Grand-père. Grand-père. Lucie. Regarde. C'est trop beau. Stop. Achetons-le pour Wolfou d'abord et pour Lucie ensuite. Oh, Lucie se cache de son grand-père pour courir si loin. C'est très dangereux. De plus, le costume nouvellement offert a également été volé. Grand-père! Lucie? Lucie! 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 Wolfou? Grand-père? Où êtes-vous? À cette époque, Lucie s'est perdue au festival de la mascarade. Que doit-elle faire? Grand-père! Grand-père! Grand-père? Lucie! Les enfants, ne vous aventurez pas seuls dans les endroits bondés. Te souviens-tu des conseils de grand-père Wolf? Oh non! Que se passe-t-il, Wolf? Wolfou! Papa! L'étranger derrière la clôture. D'accord. Maintenant, nous allons à la maison de grand-mère. Oui. On y va. Wow, il y a tellement de nouvelles choses que Wolfou veut explorer. Si vous rencontrez des étrangers, ne les écoutez pas. Frappez à la porte et je sortirai. Oui. Hé, hey, les enfants, vous voulez des glaces? Wolfou a-t-il oublié le conseil de son père? Ta-da! Je voudrais cette glace rouge. Oh non, cette personne a de mauvaises intentions. Pour toi. Non, je n'en veux plus. Donne-moi la jaune. J'ai changé d'avis. Je voudrais. À ce moment-là, il était extrêmement en colère.
ou Wolfou sera en danger. Oh! Oh, que doit faire Wolfou? Allez! Wolfou, tu vas bien? Oh! Stop! Oh! Wolfou, tu écoutais un inconnu. Vous avez de la chance, et il aurait pu vous kidnapper et s'échapper. Oh! Ne jamais écouter les étrangers. Oui. Le nouvel enfant préféré. Quand est-ce que maman va revenir? Oh non, qu'est-ce qui ne va pas avec Maman Wolf? Vous restez ici, d'accord? Maman vient de donner naissance à la petite Lucie. Vraiment? Je veux la voir. Non, chérie, tu dois rester ici jusqu'à ce que tu te rétablisses. Est-ce que tu peux m'emmener aux toilettes? Qu'est-ce qu'elle fait là, maman? Elle doit rester ici avec le bébé. Dans son imagination, Wolfou pense que sa famille ne l'aime plus. Avec moi. Tu n'aimes plus que Lucie. Bébé Lucie est très fragile et a besoin des soins de sa maman. De plus, tu as encore la grippe. Tu ne peux donc pas encore la voir. Si Wolfou s'approche du bébé, Wolfou lui transmettra la grippe. Wolfou a montré son amour pour les bébés à sa manière. C'est génial. Quelle parfaite image pour notre nouvelle maison, n'est-ce pas? Infirmière concurrente. Je serai la meilleure infirmière. Non, je suis bien meilleure que toi. J'ai une idée. Vous vous occupez de moi à tour de rôle, d'accord? Voyons maintenant comment l'infirmier Wolfou et l'infirmière Lucie vont s'occuper du patient. Oh, Lucie triche. C'est fini. La musique va aider notre patient à se relaxer. T'as triché.
Maintenant, c'est le plus rapide qui va s'occuper de lui. Papa, prends du jus d'orange. Ah ah, Lucie n'est pas en reste non plus. Le jus de raisin est meilleur pour ta santé. Oh non! Tu as mal? C'est l'heure du médicament! Tu guériras plus vite avec ça. Maintenant, comme Papa Wolf a l'air malheureux. Assez! On est désolé d'avoir fait des bêtises. Mais on s'entraîne à être des infirmiers. Une bonne infirmière s'occupe gentiment des patients, ne fait pas de bruit fort et garde la chambre propre et rangée. On est désolé d'avoir fait ça de la mauvaise façon. C'est une bonne chose que vous l'obteniez maintenant. Ah ah. Oh non. Première fois que je fais de la danse classique. Trop cool. Bien. Le professeur Kat à la télé fait de la danse classique. C'est sympa. Wolfou, est-ce que tu veux apprendre le ballet? Bonjour. Pondo, salut. Aujourd'hui, c'est mon premier cours de ballet. Non, non. Regarde. Voyons voir, que se passe-t-il ici? Oh non, il s'est avéré que Pondo avait peur que Wolfou soit blessé. Pondo, Pondo, Wolfou, viens. Bonjour, mais... Tresse. Ne t'inquiète pas, Wolfou. Viens avec moi. Oui. Viens ici. Au revoir. Au revoir. Trop cool. Wolfou, tu peux mettre ton sac dans le casier. Oui. Oh, Wolfou va manquer ce cours de danse classique. Wolfou, qu'est-ce que tu fais? C'est très dangereux. Je suis désolée, madame, mais c'est parce que j'ai peur d'apprendre le ballet. Ne t'inquiète pas, si tu t'entraînes sérieusement et régulièrement, tout ira bien. Trop mignon. Allez. Chère madame. Tu l'as fait. Hourra. Tu vois, le ballet, ça fait pas peur. Oui. Ah ah.
Maman, maman. Oh. Non, la maman est à moi. Merci pour tout cet amour. Mais aujourd'hui, je veux passer du temps avec ma famille. Ok, alors on peut revenir demain ? Oui, oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Wow. Maman. Oh. Ah. Maman, est-ce que tu peux m'acheter ce nouveau robot ? Oh. Oui. Yeah. Oh. 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 Oh non! Écoutez, il y a beaucoup de gens qui viennent à la maison de Buffon. Oh. Bonjour! Wow. Ah. Arrêtez! Oh. Arrêtez! Buffon, est-ce qu'on peut te prendre un peu de temps pour avoir l'autographe de ta mère? S'il te plaît! Oui. Wow. Wow. Ils sont de grands fans de la maman de Buffo. Oh non. Ah. Oh non, le magasin est fermé. Buffo pense que ses amis sont ennuyeux. Allez-vous-en. On est désolé de t'avoir embêté. Attendez, attendez. Vos amis viennent de vous envoyer ce cadeau d'excuses. Buffo, s'il te plaît, sois gentil avec tes amis. Oui. À cette époque, Buffo a réalisé l'amour de sa famille et de ses amis. Bonjour. Merci. Oui, oui. Amis, ne soyez jamais jaloux de vos amis. Oh, après une longue journée de travail, Papa Wolf est complètement épuisé. Bébé Papa. Pourquoi voulez-vous le transformer en bébé? Il est tellement occupé en ce moment, il n'a pas le temps de se reposer. S'il se transforme en bébé, ça lui fera une pause. Il s'avère que c'est le cas. Mais l'idée de Wolfie peut-elle vraiment aider Papa Wolf? Qu'avez-vous fait? Comme tu es un bébé, tu peux te reposer maintenant. J'ai beaucoup à faire. Je ne peux pas rester comme ça. Oh non, maintenant Papa Wolf était obligé de faire le bébé pendant un certain temps. Où sont tes parents? Qui le croirait, Wolfie? Aïe, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Laisse-moi t'aider. Oh.
Il semble que la méthode de Wolfou pour transformer le père en bébé n'a pas fonctionné. Au contraire, cela n'a fait qu'empirer les choses. Je sais que tu veux m'aider, mais tu dois le faire de la bonne façon. Hein? Oh. Trop cool. Ce bébé requin est-il Wolfou? Demain, c'est le premier jour d'école pour Wolfou et ses amis. Ils ont tous l'air très excités. Celui-ci est destiné à Pando pour son premier jour d'école. Hourra! Quelle tenue portera Wolfou? C'est trop ordinaire. Il faut que je porte quelque chose d'extraordinaire pour attirer l'attention. Vous attendez avec impatience la tenue que Wolfou a créée lui-même. C'est l'heure d'aller à l'école, Wolfou. Oui, maman. Pourquoi est-ce que tu portes un manteau? Il fait chaud aujourd'hui. J'ai juste un peu froid. On ne fait pas, maman. La 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 la. Coucou les copains. Les enfants, asseyez-vous. Ne l'embêtez pas, les enfants. Tout le monde a son propre style. Il faut le respecter. Néanmoins, Wolfou, ceci n'est pas convenable pour étudier. Tu dois porter les vêtements qu'il convient à l'école. Si vous ne portez pas les bons vêtements, vous aurez des ennuis. L'enseignante Kat a organisé une journée pour porter sa tenue préférée. Tout le monde est très heureux. Oh là, les deux enfants ne cèdent pas du tout l'un à l'autre. Lucie, ne te mets pas en colère contre Nancy. Celle-ci! Non, celui-là! C'est donc la raison. Arrêtez! Si vous le faites ensemble, vous gagnerez ce jeu beaucoup plus vite. Jouons ensemble. Voyons voir. Lucie et Nancy peuvent-elles surmonter ce jeu de Wolfou? Ça ne sert à rien. La clé est à 6 pièces de mon image. On va te sauver. Hein?
Voilà les 6 pièces. Je peins le monstre, alors laisse-moi faire. Fin du match. Même si vous trouvez les pièces, les monstres vont revenir pour vous les voler. Vous devez vous unir pour gagner. Eh bien, ils coopèrent si bien. L'un se bat et l'autre reconstitue le puzzle. Toi, tu finis le puzzle et moi, je bats le monstre. Victoire.